Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coordination permanente avec les différents partenaires, notamment avec l'Ordre des pharmaciens en tant que force de proposition. Cette institution permet de faire face aux exigences de l'heure. Nous avons été reçus après notre demande d'audience afin d'exposer au Premier ministre la situation dans laquelle le secteur se trouve. Il y a quelques difficultés. Il était bon de les lui exposer pour voir dans quelle mesure il pouvait apporter une solution à ces problèmes. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui l'actualité est celle de la CNAMGS, des règlements, de la régularité des règlements de la CNAMGS principalement. La santé est un axe prioritaire pour le gouvernement qui entend mettre en musique les instructions du chef de l'État afin d'assurer une meilleure prise en charge de ses compatriotes. Le Premier ministre a pris l'engagement de réunir toutes les parties. Il a écouté notre son de cloche. Il va discuter avec les autres parties et faire le point de tout cela et trouver le juste milieu afin que chaque acteur de prestataire de la CNAMGS puisse être réglé plus régulièrement. En Afrique, le Gabon est considéré comme un modèle de réussite du système sanitaire et social. Ceci grâce à la mise en place des pôles d'excellence permettant à la population d'avoir des soins de qualité.